Quand je reviens sur ma vie il y a un an maintenant, je me dis qu'il peut s'en passer des choses en 365 jours. On pense ne jamais pouvoir remonter la pente. On compare son existence à un immense terrain vague que seules des épaves recouvrent et où l'herbe ne pousse plus. On apprend à ne plus avoir d'espoir, à tenter de supporter le quotidien, à accepter de vivre chez son oncle, à peine 10 ans plus âgé que soi. Je pensais que seule la mort voudrait de mon terrain à la con comme maison. Puis je me suis rendu compte que des tas de choses peuvent s'y écraser par mégarde. Des rencontres, des problèmes, des imprévus. De merveilleux imprévus. Puis l'herbe se remet à pousser. L'espoir renaît parfois là où on ne l'attend pas.